Bonjour à tous, c'est Wester. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Need for Speed Most Wanted, la version 2005, pas la version remasterisée toute pourrie. Ceci est ma plus belle voiture. Elle est jolie, c'est une Lotus Elise, elle est rouge et blanche, comme une McLaren des années 90. Malheureusement pour elle, elle est beaucoup trop lente. On ne peut pas l'utiliser, on est obligé d'utiliser la grosse Gallardo. Et pourquoi est-ce que je fais une vidéo sur Need for Speed Most Wanted, vous demanderez-vous peut-être. C'est parce que c'est dans ce jeu que j'ai trouvé mon pseudo. Voilà, le numéro 5 de la liste noire, il s'appelle Webster. Et on va le défier. Et on va le ridiculiser dans deux sprints et un speed trap. J'ai le jeu en anglais. J'ai les unités en pied. Et en miles par heure. Et vous allez voir, ça va être bien. On va aller défoncer la gueule avec sa corvette là. Et on va la chouraver si possible, cette jolie corvette orange. Je crois qu'elle est orange. Avec son crâne sur le capot. Et son crâne en peau de fesse, le gars. Bon, normalement j'ai une des bagnoles les plus rapides du jeu. Hein. Donc je me devrais... En toute logique, je ne devrais pas avoir de mal à le battre. Après, c'est la première course de la journée, vous comprenez, il est 9h du matin. On vient de finir le premier, on vient de finir le café. Après, comme vous pouvez le constater sur les mini-maps en bas à gauche, l'IA n'est absolument pas parfaite, elle a tendance à se prendre tout ce qui bouge. Et évidemment, ça va jouer en notre faveur. J'ai encore pas pris le raccourci, putain. Il y a un raccourci là à gauche. Et j'oublie tout le temps de le prendre, là lui il l'a pris. Mais le truc c'est que quand je prends, j'ai peur de me prendre le mur après. Sauf que... Voilà, je préfère me prendre une bagnole, c'est carrément mieux, tu vois. Ah non, ne roule pas sur l'herbe. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu n'es pas Gilles Villeneuve. Lui il pouvait rouler sur l'herbe et dépasser des gens. Et faire le show, hélas, il est mort. C'était un grand showman de la Formule 1, de la grande époque. Bref. Assez de c'était mieux avant, de temps que moi-même je n'ai pas connu parce que je suis né 11 ans après la mort du Dilaron. Reprenons le cours normal de cette course, à savoir la remporter. Bon, j'ai bien 1000 pieds d'avance, hein. Je sais absolument pas ce que ça fait. Ça a l'air pas trop mal. Voilà. Alors, combien il a fait? Ah, j'ai mis 6 secondes dans la vue. Easy. Un speed trap. Elle va tellement vite cette Lamborghini que je vois pas comment sa grosse corvette américaine puisse me battre. Parce que s'il y a bien un problème avec les voitures américaines, comme disait Jeremy Clarkson dans Top Speed, c'est qu'ils ont fait avec des espèces de... Les blocs moteurs, si vous voulez, ils sont faits avec des espèces de bouts de métal recyclé trouvés dans des chantiers, genre des vieux chantiers de construction de gratte-ciel. Ils ont pris les poutrelles en acier qui n'avaient pas servi, ils les ont refondues et puis ils ont fabriqué des blocs moteurs avec. C'est un peu de la merde. Non, déconne, je pense pas qu'ils la fassent vraiment, mais en tout cas... Les voitures américaines, elles vont vite, mais elles tournent horriblement mal. C'est genre... Tu vas avoir un gros moteur, un gros V10... avec un compresseur volumétrique... Il va te faire 500 chevaux, tu vois, et puis... Il va faire 6 litres de cylindrée, 7 litres de cylindrée... Ah, il va avoir du couple, hein. Non, même pas d'ailleurs. Donc si le moteur est gros, il n'y a pas de couple. Oh, je suis trop con, putain.
Bref, tout ça pour dire que leurs voitures ne sont pas géniales. C'est pour ça que de base, j'aurais préféré rouler avec la Lotus Elise. Hélas. Elle, le moteur est vraiment trop petit. Et la voiture est super légère. Si dans un vrai contexte de course ça aurait marché, dans Need for Speed, ça ne marche pas. C'est vraiment une mauvaise voiture dans ce jeu, à mon grand regret parce que j'adore son look. Ce look de petite voiture de poche. Mais je pense qu'en vrai, c'est une très bonne automobile. Je prends largement ça à la place d'une, je sais pas, d'une... d'une grosse série 3, par exemple. Parce que moi, j'ai la théorie que quand on aime les automobiles, on aime les Lotus. Même si elles ont des petits moteurs Toyota en litre 3 qui font une petite centaine de chevaux à tout casser. On sait que on n'est pas des Américains, on sait qu'il ne suffit pas d'avoir un gros moteur pour qu'une voiture soit rapide. Et l'IA s'est encore pris un mur. I'm not gonna complain. Oh non, j'aurais dû prendre le raccourci. Oh putain, j'aurais tellement dû prendre le raccourci. J'ai même pas... J'étais tellement lent, j'ai même pas pris le radar, quoi. Oh putain, je suis tellement... J'ai perdu, c'est pas possible. Comment ça se fait que j'ai pas pris le radar? Putain, j'étais vraiment si lent que ça. Oh fuck, putain, j'aurais tellement dû prendre le raccourci. C'est vraiment des putes sur ce parcours-là, parce qu'ils mettent vraiment les radars après des virages, après des grosses épingles, quoi. You deep shit. C'est bon, j'ai perdu, c'est obligatoire. Parce que certes, il va perdre des kilomètres heure quand je vais franchir la ligne en premier avant lui, mais pas tant que ça. Je crois qu'il perd une seconde. Pour une seconde, il perd 10 miles à l'heure. Il est pas à 20 secondes derrière moi. Hein. 848, voilà, il a perdu que 80. Fuck! Pas grave, on recommence, de toute façon. On est bon. On sait que le mec il est pas bon, qu'on est meilleur que lui. There's no problem about that. Même si je suis pas fan de la Gallardo, parce que j'aime pas spécialement les Lamborghini. Parce que c'est pareil, j'ai l'impression que les Lamborghini c'est juste des voitures avec un gros moteur juste pour ridiculiser les Ferrari. Parce qu'à la base c'est ça, une Lamborghini c'est juste un moteur pour... Une voiture qui doit être meilleure qu'une Ferrari, parce que Enzo Ferrari s'était foutu de la gueule de Ferruccio Lamborghini, qui à la base était un fabricant de tracteurs. Zut, oh je me suis pris un mur juste au bon moment. Comme je suis meilleur, je reprendrai mon avance après. Regardez, je suis encore de premier, avec exactement le même kilomètre, le même mileage. Vous remarquerez peut-être que j'ai enlevé la musique. Parce que... Ça m'empêche de me concentrer. Non, déconne. Non, mais ils cassent les couilles. Même les musiques qu'il y a dans les jeux vidéo, ils passent leur temps à faire des attaques aux droits d'auteur. Et... Je trouve ça stupide de faire ça pour des musiques qui sont dans des jeux et qui ont des ans. Donc bon. Pas de musique, juste le doux son de ce V10 Lamborghini. Je crois que c'est un V10 dans la Gallardo et un V12 dans la Murcielago. Corrigez-moi si je me trompe. Aussi, vous vous demandez, mais tu aimes pas les Lamborghini? Pourquoi est-ce que tu en as une? Et vous avez raison. Pourquoi j'ai pris une Lamborghini? Tout simplement parce que dans la liste noire, quand vous battez un gars, vous avez une chance d'obtenir sa voiture. Chance que j'espère que je vais avoir pour Webster.
Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gagné la voiture du gars qui était juste avant dans les sous-marins. Donc là, Western Cell 5, donc le numéro 6, qui avait une Lamborghini Gallardo. Et du coup, bah, j'ai gagné sa voiture, donc bah, je l'utilise parce que c'est l'une des voitures que... Ah non, il n'y a pas le raccourci, putain. Il va falloir vraiment que je sois... Que je prenne ce virage proprement. Comme ça. Hop, voilà. C'est très conservateur, mais bon, il a 240 miles de retard. Il l'aura pas, voilà. Encore 90 miles d'avance sur lui. Le prochain, il se prend à pleine charge. On fait un petit 200 miles, pas kilomètre heure. Donc, vous multipliez par 1,6. Car 1 miles fait 1609 mètres. Alors, 200 fois 1,6, ça fait du 300. Ça fait un petit 320 quand même, hein. Oh le con. Oh. Faut pas qu'il me double dans le tunnel, ce serait dommage. Et du coup c'est rigolo en haut à droite parce que c'est Webster contre Webster. Moi je sais c'est qui va gagner, c'est Webster. Mais lequel me demanderez-vous? Mais non, vous savez très bien que c'est moi qui vais gagner. Tout d'abord parce que je suis meilleur. Et en plus parce que ce jeu n'est pas dur. Un petit sprint et on peut essayer de choper sa corvette. J'espère que je vais choper sa corvette car elle est jolie. Elle a un peu un swag de millionnaire, tu vois. Même si clairement c'est dommage qu'ils aient mis que la hélice, la petite hélice de 230 chevaux dans ce jeu, car Lotus avait déjà sorti en 2005, je crois, des voitures plus puissantes avec toujours cette base, ce châssis de base de hélice. Bon, c'est dommage. Ils auraient pu mettre, je sais pas, une Lotus Europe, la V8, la Europe V8 Turbo, là, elle est bien. Elle a la classe pour une voiture des années 80. La voiture... Il y a deux voitures des années 80, typiques je trouve. T'as la Lamborghini Countach, que vous pouvez voir par exemple dans Kung Fury si vous l'avez vu. C'est vraiment là Lamborghini toute lisse en fait. Il n'y a aucun angle, enfin il n'y a aucune rondeur, elle est vraiment... Ouais, on pourrait dire que ça ressemble à une espèce d'aile inversée, mais pas rond. Donc, du coup c'est pas une aile inversée parce qu'une aile c'est à des sections arrondies. Et la Lotus Europe. Attends. Europe ou Esprit? Oh je sais même plus, je crois que je dis une connerie. Ça se trouve c'est l'Esprit. Bon, de toute façon toutes les Lotus elles commencent avec un E. Et je sais pas pourquoi. T'as la Elise, la Europe, la Elan, la Evora. Ouais. Enfin, pas toutes, parce que les premières, c'était des numéros. Genre la Lotus Mark 7, alias Lotus 7. Attends, j'ai fait le même chemin, exactement le même chemin, mais sans le speed trap. C'est quoi l'intérêt? Bordel de merde, c'est quoi l'intérêt de la chose, s'il vous plaît, messieurs les level designers de ce jeu? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Bon, bref. Peu m'importe, de toute façon, moi je suis devant, regardez, j'ai encore 1800 pieds d'avance. Je vois mal comment il pourrait réussir à me battre. Ah là là, la nitro dans les jeux Need for Speed, c'est vraiment le truc magique. Parce que ça vous, vraiment vous, ça vous refoue déjà. Quand vous êtes en drift, vous mettez les nitros, la voiture elle a tellement de poussée qu'elle repart droit. Y a aucun problème. Aucun problème de ce côté-là.
Et surtout, elle a tellement une accélération de dingue. Alors qu'en vrai, la nitro, ça augmente un peu, à peine le rendement du moteur. Ça doit l'augmenter, je sais pas, de 20, peut-être 20%. Encore 20%, c'est énorme. Et là, on dirait que le rendement, il est doublé ou triplé. That's nonsense. Ah bon, c'est une Need for Speed. Vous connaissez, dans Fast and Furious c'est pareil. Ils ont fait exactement le même parcours sans le speed trap, ça n'a aucun intérêt. Je t'ai battu Webster. Alors, deux marqueurs from Webster. Alors. J'ai deux chances sur trois d'avoir sa voiture. Et ben j'ai sa voiture. On va prendre celui-là. Ouais. Ça me permettra de pas être arrêté, trop de la boule. Après, la suite, c'est le négro avec sa Viper. Et son casque sur la tête et sa coupe afro, je crois. Voilà. Bon. Eh ben, on va regarder la Corvette de Webster. On va changer la peinture. On va garder la même couleur. Mais on va la mettre en mat, parce que j'aime pas les peintures brillantes à ce fait que sur les voitures. Alors pas dans ce jeu en tout cas. Même je trouve que c'est assez stylé, les peintures mat. Ah c'est pas la même accélération, hein. Ça patine un peu plus, elle est vraiment nulle chez cette Corvette. Mais bon je l'ai gagné donc je m'en sers un peu. Attends. Bah si pourtant tout est acheté là-dessus. Je comprends pas pourquoi elle est aussi lente à démarrer. Peut-être qu'elle est mauvaise. Peut-être que c'est vraiment une voiture de merde et c'est pour ça que j'ai gagné aussi facilement. Ah, déjà, il n'y a pas de compresseur, de turbo-compresseur, il y a un supercharger. Comme je disais, un compresseur volumétrique. Donc voilà, là, il y a tout à fond et je suis sûr qu'elle est vraiment inférieure à ma Lamborghini. Alors, où est le curseur de la souris? Alors, il est là. Gloss. Custom, métallique. Eh mais moi je l'avais en mat. Bon bah on va pas avoir la même couleur. On prend un bon rose qui pète là. Rose, qu'est-ce que je raconte? Un bon orange qui pète. Celui-là il est pas mal. Mais est-ce que ça correspond bien au reste de la voiture? Pour la mettre en blanche. En rouge. En rouge c'est pas mal. Le bon rouge Ferrari. Parce que ce n'est pas une Ferrari, c'est une grosse Corvette. On va mettre un gros body kit. Allez, on va mettre le dernier. Comment sont les pots d'échappement derrière? Ah bah ils sont dans les bas de caisse. Bon bah. Allez, on va mettre ça. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lire si jamais vous voulez plus de vidéos de Need for Speed. Peut-être pas spécialement de celui-là qui date un peu. Ah, j'ai dit, il date de 2005, donc il a bien 11 ans ce jeu. Et bon, c'est le jeu auquel j'ai joué quand j'étais au collège. Donc, voilà. Salut.